Salut à tous. Alors voilà, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous présenter une nouvelle catégorie de chaîne. Voilà, je vais faire une nouvelle catégorie de chaîne qui va consister à vous présenter des véhicules, comment dire, de sport, de luxe, hypercar et supercar. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter une voiture qui s'appelle une Lotus Evora. Voilà, pour aujourd'hui, première présentation de chaîne. Cette vidéo restera sur ma chaîne principale dans un premier temps, en attendant que la secondaire se fasse. Alors voilà, comme promis, la petite vidéo du petit bolide. Alors voilà, Evora 400 chevaux de chez Lotus. Voilà. Alors on va faire le tour de la voiture. Pas évident de vous la prendre en entière. Elle est quand même grande. Voilà. Donc, vu de l'extérieur. Faudra me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si je continue à faire des vidéos de genre de voiture ou pas. Si ça vous plaît. Si c'est le cas, je continuerai à faire des vidéos de ce genre. Voilà. Je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Alors évidemment, il y aura les protections, mais bon, on fera avec. Donc voilà, ben, l'intérieur de la voiture avec les palettes au volant. Hop. Les finitions en cuir rouge et les brodures blanches. Franchement, chez Lotus, ils font du bon boulot par rapport à ça. Au niveau des finitions, je voulais vous montrer les brodures au niveau de l'appui-tête. Voilà. Après, évidemment, il faut pas compter avoir des enfants. C'est une voiture pour deux. Voilà les gars, je vais vous montrer vite fait en deux speed où se trouve le moteur. Le moteur est là, on le voit pas très bien, mais il se trouve derrière. Comme la plupart des voitures sport, hyper sport et super sport. Voilà, voilà, bah on aura fait le tour de la voiture. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à me dire en commentaire, évidemment, si la vidéo vous plaît. Merci beaucoup. Alors évidemment, c'est pas moi qui pilote. Ah, c'est juste pour faire profiter du bruit de la voiture, de la sonorité, de la puissance qu'elle dégage. 400 chevaux sous le capot. Autant vous dire que le freinage est impeccable. Hein.